L'écriture de Nostradamus était une écriture au cryptage complexe. C'est incontestable, j'ai découvert le secret d'écriture de cet homme. J'ai mis 36 années pour comprendre. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture complexe a été mise à jour. Révélation du quatrain numéro 15 de la 3e centurie. Dans ce quatrain, Nostradamus nous indique des années de neige abondantes. Celles-ci représenteront le recommencement des heures et des époques. Donc il faut s'attendre à un cataclysme par le froid. Il explique que ces textes seront le secours et l'aide de Dieu. Il nous fait la description d'une terrible guerre et décrit le grand heurt dans les Andes. Ces textes seront connus de tous en été. Cette révélation fabriquera des adversaires. Il dit bien que notre ère sera effacée, rasée et grattée. Voici le quatrain numéro 15. Cœur, vigueur, gloire, le règne changera. De tout point contre ayant fond adversaire, l'or France enfance par mort subjuguera, un grand régent fera l'or plus contraire. Décryptage du quatrain entier selon le premier degré. En ayant géré les heures dans ce jeu des mots, j'ai mis dans la connaissance leur hache, des années de neige de la géhenne. De cette haine qui naîtra sera le recommencement des heures et des époques, tout cela sera réel. La règle de cette loi, je l'entends. J'ai les yeux sur ce legs. J'ai eu la volonté de voir cette menace, les heures des rues. En comparant les visions de l'existence, cela fera revivre cet habile écho, à savoir le cœur de ces heures qui seront hautes. En cette époque, les rues seront sous les eaux haussées. Ce sera la colère. À cette heure sera la faveur d'avoir les vers poétiques rêvés, en ayant le premier cette fadeur. Par les vers poétiques sera l'idée de mouvement des sons phonétiques de nos anéantés. Nettement, ayez cette aide. Ce secours sera effort sur les traits de la raison des sons phonétiques tressés de cette connaissance. Dans cette connaissance seront les heures heurtées de ton époque, qui sera en accusation. Le pouvoir sera lourd ici d'entendre nettement tes thèses et la description de cette eau. Par cela, tous les êtres entendront la connaissance élevée de l'aide de Dieu. Voici la suite du premier degré. Vous aurez une guerre. Dans les vers poétiques sera indiquée l'heure. Je l'ai subie. Elle est devenue mon but. Les mots apporteront des morts ignobles et repoussantes pour trop d'hommes. Paraîtra cet art par le compagnon de ces heures râpeuses qui aura le sens des années. À l'intérieur des mots seront sans scènes de haine qui naîtront par cet essai. Ces faits seront écrits en France. L'air des mots avec ses années de scène ont été refaits par cette clé scellée. Alors à ce moment sera le véritable rôle de ces rouleaux décrits, où les heures ont été effacées. L'air des mots en ton époque maintenant racontera ce conte qui nettement aura la tonalité haussée de la connaissance. Ce pouvoir sera par plus de lecture, encore de cette coutume d'expression. Alors à ce moment-là, tu connaîtras ton rôle, tu referas les heures de régent pour les hommes. J'ai par ce jeu des mots que j'ai nettement détenu et géré le recommencement des heures après le heurt des grandes Andes. L'année donnée dans cet art sera la première nudité. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1. La connaissance élevée de ces heures sera le cœur de l'ère des mots, d'où revivront les visions. J'ai eu ces heures et eu la volonté de voir la menace. Ton air doit faire les règles, des mesures, en entendant cette angoisse contenue dans l'ère des mots, qui sera le réel relais. Ton époque sera à l'heure du règne de la géhenne de neige. La naissance de cet essai indiquera l'heure H, inscrite dans cette connaissance. Vous aurez l'année de neige de la géhenne, j'ai l'heure de votre époque. Les races auront l'écho de ces heures. En 2, ce sera une époque de rage par cette géante année de neige. Les gens sauront, la durée de la vie sera indiquée pour cette époque qui aura le gel de tous ces rires. L'angoisse sera réelle. Le relais sera par ces puissants augures. Je jure que tu auras l'air des mots, la régie de la règle permettant la vision des heures. L'air des mots sera un écho à élever. Courage, tu connaîtras l'époque. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, de Dieu en été sera la connaissance de l'étau par les eaux. Tout cela, vous aurez.
Ce pouvoir sera lourd, tu élèveras nettement tes thèses, elles seront ointes. Ce sera l'essai de la connaissance obtenue des sons phonétiques. La planète devra avoir honte de cette époque, géanter nettement l'année. Tes thèses seront faites à partir des sons phonétiques contenus dans les vers poétiques, où seront les heures. L'air des mots refaits provoquera des adversaires. Ici sera la difficile aide de Dieu, dont vous serez tous en dette. En deux, l'air des mots dont les usages ont été refaits feront l'époque pendant l'hiver. Sera la volonté de voir la menace qui sera vue dans les vers poétiques en 16 heures de la rade. Il y aura deux sons phonétiques que tu honniras. Géanter nettement cette époque. Tu as rapidement le trait de l'air des mots. Il sera de raison en son phonétique. Tu sauras nettement par tes thèses ce qui sera ce pouvoir de poids. Tous entendront cela, cette coutume qui a été cédée par Dieu. Les heures seront refaites ainsi que les époques. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le 2e, 3e et 4e degré. En 1, du puissant air des mots sera fait cet essai. Fait en France, l'année de l'air sera à l'intérieur séante. Sera la naissance du sens. Il faudra savoir séparer la révélation de cet art. Dans l'air des mots sera remis les mots par les eaux ignobles et repoussants. Tes thèses seront une connaissance à subir. Le pouvoir que j'ai eu par ce jeu des mots sera la volonté de voir la menace contenue dans les vers poétiques, où sera l'heure de l'air qui sera dans cet art rêvé de ce puissant air des mots. En deux, j'ai les époques. Je me suis fait la guerre pour obtenir ces vers poétiques en heure rubis sur ongle. Les rues subiront l'issue d'une fumée mortelle, ignoble et repoussante. Nous te parons de l'air des mots et du pouvoir de cet art de l'air des mots. À nouveau, cette connaissance sera séante. Les années seront à l'intérieur des mots. La naissance de cet essai de la connaissance se fera en France, où seront rendues les années des eaux hautes, que vous aurez dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Ton air sera cela, et en avoir l'époque. J'ai vu la guerre. Elle sera en heure verrouillée. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le 2e, 3e et 4e degré. En 1, en ayant eu le premier, j'ai géré l'année de l'air des grandes andes et les heures de leur rejet. J'ai régi ce jeu des mots, j'ai hanté nettement les gens. J'entends nettement tes thèses et en faire les heures. Ce sera une ère de râle, vous aurez les eaux hautes dans les jardins, les vergers. Les lisières, les villes et les villages. Maintenant, les hommes connaîtront ce pouvoir en ayant encore plus de lecture. Ce sera la coutume d'expression qui fera cet essai de la connaissance, par les sons phonétiques contraires. J'ai fait ce compte pour que nettement la planète le possède. De l'air des mots sera extrait l'air, qui sera rasé, gratté, effacé. Tu as l'angoisse de cette époque. En deux, votre air sera rasé, gratté, effacé à cause des rages de votre époque, qui seront racontés ici. Tu sauras obtenir nettement ce compte, tes pouvoirs seront, par plus de lecture encore, de cette coutume, qui fut scellée par le Très-Haut. Vous aurez les eaux hautes dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. L'air des mots contiendra ce premier fait, où seront rasés les gens. Nettement la terre aura un grand regret. Il faut gérer l'époque de l'année du rejet des grandes andes. La première, rasée, grattée, effacée. Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.